24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Visitez-nous à Delma 51 numéro 6. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être avec nous sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est Journal Sport qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Gros titre, l'actualité sportive là sur le plan national, football, CONCACAF League demi-finale, AKFC Deportivo Saprissa, venez vendredi 22 janvier à 5h après-midi. Vainqueur a rencontré Alao LNC qui qualifié pour finale de l'Elibat CD Olympia 5 tirs au but à 4. Assemblée générale élection pour un nouveau comité dans tête de Simbulaïb. Venez samedi 23 janvier à 10h du matin dans l'école nationale de Gaoa. Tenue de table vers les élections le 31 janvier prochain. Cartelio gain jusqu'à venez vendredi 22 janvier à yo notifié officiellement intention yo. Soirée société invité nous jeudi à, c'est professeur Ralph Kernizan, professeur en éducation physique et sportif, qui est nouveau président conseil administration club éducation à la santé pour une prévention active. C'est SPA à l'étranger, tennis Open d'Australie, sorti 8 pour 21 février. Espagnol Paola Badosa, première joueuse déclarée positive au COVID-19. Basketball NBA, match de revanche vendredi soir entre Brooklyn et Cleveland à 7h30. En même le choc des leaders entre Boston et Philadelphie. Football portugais Paulo Sousa, c'est nouveau sélectionneur à Pologne. Championnat d'Angleterre, 18e journée. Burnley bat Liverpool 1-0 à Anfield. Championnat d'Espagne, 19e journée. Atlético Madrid consolide position en tête classement après victoire de 1 sous Eibar. Et puis selon quotidien sportif Marca, malgré un commencement année médiocre, Zinedine Zidane a conservé poste jusqu'à nouvel ordre. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswen, li pase tou a 10h30 aswen, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi.
Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement actualité sportif là d'abord sous plan national, un comité sortant Racing Football Club Gonaïves là qui invite ancien dirigeant, sympathisant, journaliste sportif avec public la général à une assemblée générale ordinaire qui va le faire jeunesse samedi 23 janvier dans l'école nationale Décaro à compter de 10h du matin pour élire un nouveau comité qui doit gérer dessiner club Terre Salée pour 4 prochaines années conformément à règlement général. Toujou l'aktualite futbol la, CONCACAF League, gen formasyon Costa Rica ala OLNC, ki kalifiye pou final la liye karte mèkredi swar CD Olympia di Honduras, ko final 5-4 apre 1-0-0. An final le 3 fevriye, ala OLNC bral renkontre venkèr lot demi-final la, ki bral opose jounen vendredi ya AKFC a Deportivo Saprissa di Costa Rica a 5h nan apremidi lan stade Ricardo Saprissa a Ima. A Chuloayo, yo a pied d'oeuvre depi mercredi du kote de San Jose. Delegasyon li kompose de 37 moun don 21 jouè. 3 gardien yo se Loriston Jean-Ric, Jean-Weden Saint-Desrosiers, Gary Gaumont. 7 défenseur yo se Reginald Kader, Marc-Alain Sully, Sylvenson Colin, Alan Pierre, Richard Calix, Hans Billy Anasius, Berson Etienne. 8 milieu terrain yo se Olny Kalezi, Eguino Sineus, Wendy Louis-Jean, Esdras Philippe, Clifford Thomas, Richardson Thomas, Ose Charles, Wilman Exumé. 3 attaquant yo se Johnny Pierre-Paul, Kervin Jolicoeur, My Love Dovillien. Staff technique lan se coach principal Gabriel Michel Tigana. Coach adjoint se Pierre-Richard Elasmé, coach gardien Daniel Louis. Master se Huguenet Paul, epi Outileo se Jean-Rubens Marcellus. Alter Sport, aktualite sport nasyonal ak internasyonal sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Lòk mwen l'aktualite sportif la sou plan nasyonal, sport et société, professeur en éducation physique ak sportif, Ralph Kernizan, se aktuel président conseil administration CESPA, ki se club d'éducation à la santé pour une prévention active. Alter Radio 106.1 te entre en contact ak professeur Ralph Kernizan. Pour plus explication, nou invite ou suivre. CESPA, c'est un centre d'éducation à la santé lié à un réseau international. Ça veut dire que gen CESPA qui en France, gen CESPA Québec, gen CESPA Haïti. Bon, actuellement, c'est moi qui suis président du conseil d'administration de CESPA Haïti. Donc, c'est en composante de CESPA International. Son projet, ben, en société tout, qui a but non lucratif, qui n'a pas gagné aucune attache commerciale et que m'a représenté bénévolement compte tenu d'importance. Oui, bon, ou un bon chapeau de président du conseil d'administration. Et tout simplement, l'Ivoire prend un peu de temps. Moi, en général, les magasins, mon bagage et bah, témoigner à fond. Mais son structure, pour moi, qui est importante, dans la mesure dès qu'on parle de santé et bien-être, parce que, surtout en matière de prévention, où qu'on est, c'est ça qui est important. Et le plus souvent, la tendance actuelle à travers le monde, c'est qu'on essaie de prévoir pour éviter quand même que le curatif vienne, en quelque sorte, au second plan. Domaine d'intervention, nous, du moins, ce service que nous baille. Oui, bien les services d'animation, de formation, d'évaluation, d'accompagnement. Son structure, tout semble-t-il, qui découlait des études au Québec, qui commençait en 2009 et qui découlait. Coordonnateur principal, là, qui est à l'origine peut-être de projet, c'est Monsieur Jean-Claude Magny. Champ d'intervention, c'est l'alimentation. Champ d'intervention, c'est l'activité physique, est un facteur de santé et de bien-être. Ensuite, la gestion du stress et la gestion de l'environnement. Donc ce sont les thématiques à partir desquelles, tout au cours de l'année, il y a intervenu pour sensibiliser Mounio pour qu'il y ait des comportements qui liés à ce qu'il aurait été en santé et des barrières de feu. Mais ça qui est important, m'apprendre récemment que c'est pas M. Magny qui parlait de projet ça il y a de cela 2 ou 3 ans, il y a même un cours de formation en sciences de la santé et qui... intégré auprès d'une des universités, je ne me rappelle pas, je le saurai davantage, de Notre-Dame ou encore, si bien que un des gradués de cette formation, en l'occurrence M. Martin, qui est le directeur actuel administratif de CESPA,
Donc ce programme de formation, semble-t-il, sortira sa première promotion, je crois, à la fin de l'année. Donc moi-même, ma dirigeant bagay, qui a un intérêt, je dirais, national, et pour lequel tout, on ne peut pas oublier, son professionnel en activité physique et sportive, et son champ d'action, plus ou moins, dès qu'on parle d'activité physique, comme comprendre, et qui est d'une importance capitale, et qui traitait plus particulièrement, dès qu'on parle d'activité physique, auprès d'une communauté comme les adultes, comme Smith Griffon, ce sont des déterminants bien spécifiques pour lesquels il faut bien s'y prendre pour agir sur ces déterminants. Ce serait pas de plus comme si tu prends l'activité physique et la force et l'endurance musculaire, la flexibilité, le potentiel de dissuader peu, et l'endurance organique. Donc, il te faut une formation appropriée pour te permettre d'intervenir sur ces déterminants à des faits de santé et de bien-être. Donc, m'accepter pour cela, décider de jouer pleinement, puisque m'impliquer en pile, si bien que à travers un poste que me voyez auprès du monde sportif, l'une des premières séances d'animation, c'est ce soir, à partir d'un lien que je vous avais fait parvenir. Et c'est ça que je dis, nous gagnons activité ça. Il y a un programme qui va sortir sous peu. C'est le rôle du directeur administratif de proposer un programme d'action qui sera validé par le conseil d'administration. Tu sais qu'il faut pour réaliser soit des forums, soit des symposiums, il nous faudra les ressources financières appropriées. Ça, ce sera encore le rôle du conseil d'administration d'aller chercher des sponsors qui nous permettent de réaliser ces activités. Donc le programme, certainement, au moment opportun, je te le soumettrai, mais certainement, il y a des séances d'animation, je crois, une fois par semaine, à travers des intervenants qui se tiennent au Québec, en France, et qui interviennent auprès des champs d'intervention que je viens à peine de mentionner. C'était Précision, professeur en éducation physique et sportif, Ralph Ternizan, qui est actuel président du conseil d'administration CESPA, qui est club d'éducation à la santé pour une prévention active. Pour nous clôturer l'actualité sportive là, sur le plan national, tenue de table vers les élections au sein de la fédération le dimanche 31 janvier, il y a un secrétariat FHTTA qui a avisé Mamlio qui a gagné jusqu'à journée vendredi 22 janvier pour notifier officiellement intention pour participer à l'élection. Les candidats qui composent le cartel a publié mercredi 27 janvier. L'élection a faite par cartel suivant le règlement statutaire fédération. Une candidature unique à un seul poste a pas accepté par cartel. On t'y pose, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Pour exercice fiscal 2020-2021, loterie l'État haïtien vient exhorter tout le monde qui a exploité jouet hasard dans le pays, sorti premièrement sous propriété bolette, passé prendre gaguet, casino, combat bœuf, jouet en ligne sous téléphone, pour y mettre permis fonctionnement à jour, bonnet. Parce que depuis minuit fin 1er octobre, agent loterie a dans la rue, accompagné avec juge des peuples, la police, pour vérifier si toute banque bolette sous territoire national, tout casino, tout gaguet, tout bureau pariage, gain permis fonctionnement loterie à bail pour année fiscale tout neuf là qui donc pour permis fonctionnement nous c'est dans loterie pour nous payer ou bien dans bureau déconcentré qui fait si nous lagé corps dans ça qui grand ban profiter c'est été n'a continuer bail corruption pour petit peuple dans lycée dans l'école nationale yo pas qu'à joindre bon gens internet dans l'école yo pour faire des voix yo et pour année fiscale sacré joindre année scolaire loterie a fait toute mise en place déjà pour continuer mettre internet dans l'école l'état yo c'est pour ça l'état central terminé pour accompagner l'autre normalement pour c'est pas hasard peuple a joué sac vin pour lui dans secteur hasard. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simayer tout partout dans le monde là. Ministère santé publique mande tout le monde rester veatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, ak zanmi nous. Évitez main bouche nous, gène ou soigne nous sans main nous pour ko laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre ak savon. Mais comment pour nous laver main nous? Laver main nous ak l'eau propre ak savon en bas tiyo. Ou soit mande moun vide de l'eau sous main nous. Bien mouye main nous en fond nous savonne. Frottez-on point doit blamer ak do main nous. Bien rese main yo et puis souke main yo pou yo séché. On nous youn veye sous l'autre. On nous yon protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez le 43 43 33 33 au 76. C'était un message. Ministère Santé Publique à Population. En
parcourant votre fil d'actualité, vous lisez un message ou un commentaire sur le coronavirus. Pensez à ce que cela vous fait ressentir. Cela vous met-il en colère? Êtes-vous triste ou choqué? La désinformation peut se propager par l'utilisation de contenus axés sur les émotions. Avant de partager ou de réagir à un contenu, pensez à sa provenance. Qui pourrait en bénéficier et qui pourrait en souffrir? Réfléchissez avant de cliquer, réfléchissez avant de partager. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Yo, Winsman, ça qu'a fait Atis? Ah, Bangaon, prends distance où? Ak bagay coronavirus sa, moun pa pran lanmen ni bay akolab. Kanpe lwen moun kap tousè, ni moun kap esterni. Lave men nou ak savon. Kanpe lwen pa imilyasyon. Se yon fason pou nou proteje tèt nou. Tout ti moun, tout lan moun, pale yo. Evite touche bouche, menche, pale yo. Bien fitse ak yon nat manche, pale yo. Pe pa isye mobilize, pale yo. Coronavirus a fait ravage dans le monde là. Haïtien faut nous faire prévention. Précaution pas qu'à bon fond la bébé nous souvent. Pour ne pas prendre maladie coronavirus. Allez, allez coronavirus. Allez, évitez de passer mon départ. C'était un message Fondation Dr. Reginald Boulos pour peuple haïtien. Nous-mêmes magistrats, juges et commissaires gouvernement, ensemble avec personnel dans la justice dans le pays d'Haïti, nous décidons de combattre la propagation du nouveau coronavirus. C'est peut-être ça que nous décidons de respecter les consignes autorités sanitaires. Avec COVID-19, c'est l'existence nous toutes qui menacée sur la planète Terre. Nous toutes à la ronde bade, juges, commissaires gouvernement, greffiers, huissiers, avocats, tout professionnel du droit yo, et tout l'autre professionnel dans la société, yo, tout citoyen nous doit avoir un comportement qui est responsable. C'est comme ça que nous avons privé combattre la propagation COVID-19. Là. C'était un message de l'Association professionnelle des magistrats. Corona, il y avait un pile de gars, c'est mettre quoi qui Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. For the love of the game, we all come together as one Africa. Actualité sportive là, vous connaissez sur plan international, il y a la Libye qui passait tout près d'une grosse performance contre la République démocratique du Congo. Vous avez dit 21 janvier, lors de deuxième journée, première phase du championnat Afrique Nation 1, qui a déroulé au Cameroun, Chevalier Méditerranéo. Vous été mené au score pendant presque toute rencontre grâce à Capitaine Mouetaz Hussain, mais Amédée Massazi Obenza, dont frappe magistrale, la dernière seconde égalisée pour Léopardo qui diminuait par des cas de COVID-19. Dans l'autre match, groupe BA, il y a Congo, Brazzaville avec Niger qui fait match nul, un goal partout. Deux nations s'arrêtaient en course pour une qualification en quart de finale avant dernière journée qui va le fête lundi 25 janvier. À l'affiche Congo-Brazzaville-Libye, puis Niger contre Congo-Kinshasa. Classement dans le groupe BA. Premier Congo-Kinshasa 4 points, deuxième Niger 2 points, troisième Libye 2 points, quatrième Congo-Brazzaville 1 point. La programme là, venez vendredi à le groupe CA à 11h le matin, Maroc a joué avec Rwanda, et puis à 10h, Ouganda contre Togo. Actualité football là toujours, Coupe du Monde en Espagne, 16e de finale, il y a Barcelone qui qualifié dans prolongation, Lely bat Cornea 2-0, goal qui marqué par Dembélé 92e minute et Brithwaite 121e minute. Toujours en Espagne, match en retard 18e journée, gain Athletic Madrid qui bat et bat 2 goals à 1 en doublé de Luis Suarez. Athletic Madrid 44 points, Real Madrid 37 points, Barcelone 34 points, Villarreal 33 points.
20e journée, c'est à partir de ce vendredi 22 janvier 3h, Levante Valladolid, samedi 23 janvier 8h la matin, Huesca Villarreal, 10h15, Séville Cadiz, midi et demi, Real Sociedad, Real Betis, 3h samedi à la veste, Real Madrid, dimanche 24 janvier 8h la matin, Osasuna Granada, 10h15, Elche, FC Barcelone, midi et demi, Celta Vigo et Bar, 3h dimanche, AC Madrid Valence, c'est puis lundi, à 3h Atletico Bilbao, Getafe. En Angleterre, le match en retard 18e journée, a gagné Liverpool qui perdu la quali à Anfield. C'est Burnley qui bat un goal à 0. Classement dominé par Manchester United 40 points. Deuxième Manchester City 38 points. Troisième Leicester City 38 points. Quatrième Liverpool avec 34 points. 20e journée, c'est pour mardi 26 janvier, mercredi 27 janvier avec jeudi 28 janvier. En Italie, 19e journée à partir de ce vendredi 22 janvier, 2h45, Benevento Torino. Samedi 23 janvier, 9h la matin, Roma Spezia. À midi, Udinese Inter Milan. Milan AC Atalanta, 2h45 samedi, Fiorentina Crotone. Dimanche 24 janvier, 6h30 la matin, Juventus Bologne. 9h, Vérone Napoli, Genoa Cagliari. Midi, Lazio contre Sassuolo. 2h45, Parme Sampdoria, classement dominé par Milan AC, 43 points. Deuxième Inter Milan, 40 points. Avec 34 points, Naples, Roma. Et puis 5e Juventus, avec 33 points. En France, Sibral, donc, 21e journée, venez vendredi 22 janvier, à 3h l'après-midi, Paris Saint-Germain, Montpellier. Samedi 23 janvier, 11h le matin, Lens, Nice, à 3h, Monaco, Marseille. Dimanche 24 janvier, 7h le matin, Bordeaux, Angers. 9h, Reims, Brest. Dijon, Strasbourg. Nantes a déplacé pour rencontrer Metz. 11h le matin, dimanche, Rennes a joué avec Lille. 3h, Lyon a déplacé pour rencontrer Saint-Etienne. Paris Saint-Germain, 42 points, Lille, 42 points. 3e, Lyon, 40 points. Avec 36 points, Monaco Rennes, 6e Marseille avec 32 points. En Allemagne, 18e journée à partir de ce vendredi 22 janvier, 2h30, Mönchengladbach Dortmund, samedi 23 janvier, 9h30 dans le matin, Augsburg contre Union Berlin, Leverkusen, Wolfsburg, Fribourg a joué avec Stuttgart, Mayence contre RB Leipzig, Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt, à midi et demi, Hertha Berlin contre Werder Bremen, et puis dimanche 24 janvier, 9h30 dans le matin, Schalke 04, Bayern Munich, à midi, Offenheim, Cologne, classement Bayern Munich, 39 points, RB Leipzig 35 points, Leverkusen 32 points, 4e Dortmund 29 points, 5e Wolfsburg avec 29 points. Et puis ancien entraîneur Jérôme Bordeaux a parlé sous ça, il est nouveau sélectionneur la Pologne, technicien portugais, le succédé donc à Jerzy Bivsek en tête aigle blanc à moins de 6 mois de début Euro. Et puis malgré un début année médiocre et une élimination prématurée en Coupe du Roi face à Al Koyano, 3e division, il y a Zinedine Zidane selon Maka qui a pu conserver poste lui au sein de Real Madrid. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir, amis auditeurs, la tenniste espagnole Paola Badosa qui a annoncé jeudi qu'elle testait positif au coronavirus. C'est venu première joueuse identifiée qui atteint une maladie parmi participants à l'Open Australia qui va commencer. Sorti 8 privé 21 février. Auparavant, une autorité sanitaire australienne qui a annoncé que 4 joueurs étaient testés positifs au COVID-19, mais ils n'ont pas révélé l'identité. Plus d'un millier de monde y ont arrivé. Semaine qui s'est passée, sous l'île continent na cadre Open Australia par 17 vols charter spécialement affrété. Puis basketball NBA match à Cap Gagnon jeudi vendredi à 7h la soirée Chicago Charlotte, Houston Détroit, Orlando Indiana 7h30 Brooklyn contre Cleveland match de revanche, Boston Philadelphie choc des leaders, Miami Toronto et puis à 8h Atlanta Minnesota, 8h30 vendredi soir Dallas San Antonio, 10h Denver Phoenix, Oklahoma City Los Angeles Clippers, Memphis a joué avec Portland et puis New York face à Sacramento. Classement dans deux conférences jusqu'à jeudi soir. Conférence S, premier Philadelphie, 10 victoires, 5 défaites. Deuxième Milwaukee, 9 victoires, 5 défaites. Troisième Boston, 8 victoires, 5 défaites. Quatrième Indiana, 8 victoires, 6 défaites. Cinquième Brooklyn,
9 victoires, 7 défaites. 6e Cleveland, 7 victoires pour autant de défaites, de même que Atlanta. 8e New York, 7 victoires, 7 défaites. En conférence Westland, premier c'est Los Angeles Clippers, 11 victoires, 4 défaites. 2e Los Angeles Lakers, 11 victoires, 4 défaites. 3e Utah, 10 victoires, 4 défaites. 4e Phoenix, 8 victoires, 5 défaites. 5e Golden State, 8 victoires, 6 défaites. 6e Portland, 8 victoires, 6 défaites. 7e Memphis, 7 victoires, 6 défaites. Et puis San Antonio, 8e, 8 victoires, 7 défaites. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswe, li pase tou a 10h30 aswe, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nou ale, gran tit ki te domine aktualite sportif la souplan nasyonal, football CONCACAF League demi-final, AKE FC Deportivo Saprissa, jvene vendredi 22 janvye a 5 nan apremidi, venke a brave kontre a la OLNC, ki kalifiye pou final li bat CD Olympia, 5 tir au but a 4. Assemble General et Eleksyon pou yon nouvo komite nan tèt Resim Gounaïb, jvene samdi 23 janvye a 10 nan matin nan l'Ecole Nationale de Kaoua. Tenis de table vers les élections le 31 janvier prochain, kartel yo gen jiska jounen vendredi 22 janvier a, yo notifiye officiellement intention yo. Sport et Société invite nou jodi a, c'était professeur en éducation physique et sportif, Ralph Kiernizan ki se nouveau président conseil administration, club éducation à la santé pour une prévention active, CESPA. A l'étranger tenis Open d'Australie, soti 8 pour arriver 21 février, Espagnol Paola Badosa, premier joueuse déclaré positif au COVID-19. Basketball NBA, match de revanche vendredi soir entre Brooklyn et Cleveland à 7h30. La même l'air, choc des leaders entre Boston et Philadelphie. Football portugais, Paulo Sousa, c'est nouveau sélectionneur à Pologne. Championnat d'Angleterre, 18e journée, Burnley bat Liverpool 1-0 à Anfield. Championnat d'Espagne, 19e journée, Atlético Madrid consolidé positionné dans tête classement avec victoire à Lille 2-1 sous Eibar. Puis selon quotidien sportif Marca, malgré un commencement année médiocre, Zinedine Zidane a conservé postulé jusqu'à nouvel ordre. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel actualité sportif là, sous plan national et international. Merci en pile pour fidélité ou merci à collaborateur nous, James Toussaint, qui était dans la réalisation. Dans micro, c'était Smith Griffon, qui était branché Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. Édition journal ça, n'a pas venu un podcast Alter Radio sous Miss Cloud et sous Zeno Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Avec l'éclat d'un phare en 200 ans d'histoire, tu as ôté nos soucis et balayé nos peurs. Adieu tous les malheurs, disons avec ferveur. Joyeux anniversaire, Haïti. Pour ta révolution, pour cette libération, des âmes et puis des cœurs, tu fus le protecteur de notre idéal de liberté, si lointain qu'il ait été. Il a comme le matin une intense clarté. L'étoile du matin qui montre la voie, la lumière pure qui apporte la joie. Haïti est notre étoile qui enlève le voile et met de la lumière
pénombre. L'éclat d'une étincelle brillera dans le ciel, illuminant le monde de sa lueur profonde. Mon île, mon Haïti, je veux te dire merci. Cette étoile, je veux le voir, sortira dans la nuit noire. Liberté, égalité, fraternité, brûlons-moi avec la terre. Dans mon esprit pétille une onde nouvelle qui brille. Cet espoir, c'est Haïti. Radio, l'IFE, INE. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Tandé, 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 ça va qu'on écoute, non pas ton vélo. Information l'ennui ou la journée, sous Alter Radio 106.1. Information Radio. Ou nal pi loin. Citoyen, citoyen nan la Tibonite, nouvo maladi koronaviris la ap mache sou nou. Se doa nou pou l'Etat garanti nou bon jan la soyan pou nou vive bien. Devoa nou, se respekte tout konsey pou nou pa pran maladi koronaviris la. Se responsabilite nou pou nou poteje tèt nou. Poteje tèt nou pou nou ka proteje fami nou ak kominote nou. Atensyon, pa kapon. Prekosyon, se sel chans. Souteren koronaviris, se tout ti vis. Se te yon mesaj, otorite lokal ak organizasyon sosyete sivil nan depatman Latibonit ak support proje toujou pifo ansam, yon proje ki jwen bourad l'ajon Union Européenne. Mesaj sa, pa angaje Union Européenne. Pour exercice fiscal 2020-2021, Loterie l'État haïtien vient exhorter tout le monde qui a exploité le jouet hasard dans le pays. Sorti premièrement sous propriété bolette, passez prendre gaguet, casino, combat bœuf, jouet en ligne sous téléphone, pour y mettre permis fonctionnement à jour, bonnet, bonnet. Parce que depuis minuit fait ben 1er octobre, agent Loterie a dans la rue, accompagné avec juge des peuples, la police, pour vérifier si toute banque bolette sous territoire national, tout casino, tout gaguet, tout bureau pariage, gen permis fonctionnement loterie bay pour année fiscale tout neuf là. Qui donc pour permis fonctionnement nous, c'est dans loterie pour nous payer ou bien dans bureau déconcentré. Qui fait, si nous avons la gueule dans sa qui grand profite, c'est été n'a continué par corruption. Pour petit peuple dans lycée, dans l'école nationale, yo, pas qu'à joindre bon gens internet dans l'école pour faire des voies. Et pour année fiscale sacré, joindre année scolaire, loterie a fait toute mise en place déjà pour continuer mettre internet dans l'école l'État. C'est pour ça l'État central déterminé pour accompagner l'autre normalement pour c'est pas hasard peuple a joué sac vin pour lui dans secteur hasard. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité.
Le président américain Joe Biden aura vendredi un entretien téléphonique avec le premier ministre canadien Justin Trudeau pour son premier échange avec un dirigeant étranger, a annoncé mercredi la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Les deux dirigeants vont très certainement discuter des relations très importantes entre les États-Unis et le Canada ainsi que de sa décision sur l'oléoduc Keystone, a-t-elle ajouté. Ce projet de pipeline entre les États-Unis et le Canada, soutenu par Ottawa mais critiqué par les écologistes, avait été lancé en 2008, annulé une première fois par Barack Obama pour des raisons environnementales, puis remis sur les rails par Donald Trump pour des raisons économiques. La révocation du décret de son prédécesseur était une des promesses de campagne de Joe Biden dans le cadre de son plan de lutte contre le changement climatique. Joe Biden réservera